je vous reprends dans le vlog. On est lundi aujourd'hui et j'étais en train de vous faire mon petit look du jour sur pour TikTok et peut-être pour Insta aussi. Je sais pas si je le poste sur Insta, mais j'ai mis, je voulais vous montrer, le nouveau petit pull Massimo transparent. Trop joli. J'adore, et même j'adore comment ça dépasse au niveau des manches comme ça. Et voilà, j'ai fait un look super simple avec ça. Mon pantalon cos noir, petite ceinture. Et j'ai remis mon manteau Massimo blanc. Je trouvais que ça allait vraiment bien avec le look comme ça. Hop. Et vu qu'il fait beau, aujourd'hui, je vais pouvoir sortir mes petites lunettes. Et je trouvais que ça faisait vraiment sympa comme look. J'avais envie d'être plutôt dans les tons clairs avec juste le pantalon noir. Mais j'aime plutôt bien. Donc voilà, ça c'était le petit look du jour. Cette semaine, le temps a l'air d'être vraiment bien. Pour l'instant, il fait super beau. Donc je suis contente, je vais pouvoir un petit peu profiter même pour faire du contenu et tout. Ça va être beaucoup mieux. Je vous montre aussi le petit look dans le miroir. Comme ça. Je suis vraiment trop contente d'avoir pris ce petit haut là. Je trouve que c'est trop mignon. J'aime bien le look du jour, je suis contente. Donc voilà. Bon, je vous retrouve. On est dehors et il fait méga beau. Attends, je vais prendre mes lunettes. Ah d'accord, pardon. Donc, j'avais pas encore filmé parce qu'en fait, je suis affamée. Mais on a déjà fait des photos. On a été chez American Vintage. Ma maman a fait un petit achat. Oui, un très bel achat. Très cool. Très cool. Un t-shirt. Oui, mais un beau t-shirt. Un beau t-shirt. En lin et très large. Un t-shirt oversize en lin. Voilà, cet été. Et on est toutes contentes parce qu'il fait tellement beau. Enfin. Hein, oui. Voilà. Tout bleu, c'est vraiment magnifique. C'est le printemps. Il était temps. Hein. Ouais. Bon, on va un peu sur la... Mais on va manger hein, parce que moi je crève de faim. Hein. Oui, oui. On va manger où? J'en sais rien. J'ai envie d'aller manger au soleil. Sur la place là-bas, plus loin là-bas. Soit on reste ici là où t'avais vu, ou soit on retourne. Ah, à l'intérieur. C'est trop bien, il fait beau, je suis contente. Trop bien. Ça me met de bonne humeur, c'est vraiment tellement gai. Regardez-moi ce temps, il n'y a même pas de vent ni rien. C'est trop bien. Et toi, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu dans les vlogs, hein, par contre. Ouais, c'est vrai. Je peux pas tout le temps me montrer. Hein. Non. Il faut garder la rareté de la chose. Il faut garder le mystère. Je vais vous montrer un peu la mer avec le ciel tout bleu. Trop beau. Ah, on est trop contents. On profite. Trop gai. C'est vraiment la première plus belle journée depuis longtemps. Ouais, franchement, on est trop contentes. Je vous reprends, on est mardi et je vous avais promis que je vous montrerai quand je recevrai mes spéciales, donc je vais vous montrer, je vais vous faire un petit unboxing, je suis trop contente, je les ai déjà ouvertes pour TikTok, donc c'est pour ça que je vous dis que je suis trop contente, elles sont vraiment super belles, je vous montre comment elles sont, trop belles, franchement regardez-moi ça, la couleur est vraiment trop belle, je vais vous montrer les deux, comment elles sont, j'adore, je suis vraiment fan. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau de la couleur, mais c'est vraiment même le blanc, c'est un blanc écru, c'est pas un blanc blanc. Et justement, ça fait vraiment hyper canon, je suis fan. Et le modèle, en fait, je me demande s'il n'est pas un peu mieux que les Samba, même si j'adore quand même les Samba, c'est mes chaussures préférées. Mais ici, vous êtes beaucoup plus soutenues, donc toutes celles qui préfèrent, enfin qui trouvent les Samba trop plates, pas assez confortables, etc., vous allez être mieux dans celle-ci. J'ai senti vraiment une différence. Vous êtes vraiment beaucoup plus soutenues et un peu plus hautes. Ce qui fait qu'elles sont, elles ont l'air en tout cas hyper hyper confort. Même la petite étiquette là, beige, je trouve ça trop beau. Elles sont vraiment super belles. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore. Du coup, j'hésitais à me... Parce qu'elles sont revenues en stock. Les spéciales classiques qui étaient tout le temps sold out ces derniers mois. Elles sont revenues ce matin sur My Teresa. Donc j'hésitais à me les commander aussi. Parce que je les veux depuis hyper longtemps. Et que maintenant, je sais que j'ai ma bonne taille. Donc je vais voir ce que je fais, mais en tout cas très contente. Et regardez, on a reçu des lacets assortis marron comme ça. Ça peut faire super joli aussi. Moi j'ai toujours la flemme de changer mes lacets, mais je pense que ça peut faire très très beau aussi. Donc je suis contente. Trop cool. Je vais remettre mes lunettes parce que j'avoue j'avais enlevé mes lunettes parce que je sais pas, je me préfère sans. Mais aujourd'hui
J'ai pas mis mes lentilles ni rien parce que je vais travailler toute la journée. Ouais, aujourd'hui il fait moins beau, donc il fait pas dégueulasse comme la semaine passée, mais il fait vraiment pas très beau. Donc je vais en profiter pour rattraper du travail, tout simplement. Je vais être sur l'ordi toute la journée. Finalement, Jocelyne ne vient pas demain, mais elle vient vendredi parce qu'il va faire beaucoup plus beau vendredi. Vendredi, ça annonce vraiment trop trop beau temps, même jeudi. Donc ça va être trop cool, j'ai hâte. Demain sûrement, du coup, j'en profiterai pour encore en profiter pour travailler. Je vous retrouve pour un nouveau jour de vlog. On est actuellement jeudi. Je vous ai pas énormément filmé cette semaine parce que j'ai pas mal avancé niveau boulot. Vous voyez là mon petit plan de travail, voilà. Beaucoup beaucoup de boulot ces derniers temps, donc j'avance au max. Mais je voulais vous reprendre parce que là, je suis en pleine créa de contenu. Je vous montre. Voilà. Voilà l'étendue des dégâts, il y en a partout. C'est pas tout, dans ma chambre aussi. Enfin voilà, j'en ai un petit peu de partout. Mais j'ai essayé d'avancer au max pour vous créer quelques contenus d'avance, notamment TikTok. Je crois que j'ai filmé 4 TikTok à l'avance et un réel. Donc comme ça me fait un petit peu de réserve quand même. Parce qu'il fait très beau et ça me... Enfin, quand il fait beau comme ça, de pas être dehors, ça me fait un peu du mal, je vous avoue. Je vais vous montrer le ciel. Voilà actuellement le ciel. Donc autant vous dire que c'est très frustrant. Mais du coup j'en ai profité pour profiter de la lumière naturelle et faire pas mal de contenu vidéo face à ma baie vitrée, voilà, c'est le genre de contenu. Enfin voilà, moi dès qu'il fait pas beau et que je dois sortir mes lumières artificielles, j'ai énormément de mal, je vous l'ai déjà dit. Donc là j'ai vraiment profité un maximum de cette lumière, même si je suis pas sortie. Donc forcément les contenus pour Insta c'est beaucoup plus compliqué à l'intérieur, mais j'ai quand même fait un petit réel. Et puis j'ai profité pour faire des TikTok. Maintenant je vais tout ranger. Je sais plus si je vous avais déjà montré mes nouvelles baskets au pied, mais je viens de faire un réel où je les mettais, donc je les ai au pied là. Je vous montre ce qu'elles rendent, mais honnêtement, je suis sûre de moi maintenant. Je vais changer les lacets et mettre les marrons assortis. Je pense que ça va faire beaucoup plus... un peu moins sport et plus, plus classe. Je pense que ça, j'ai préféré. Donc je vais faire ça après. J'avais un peu la flemme de le faire pour ma vidéo. Je vous montre le petit look en avant-première. Je voulais faire un look pour rappeler la couleur des baskets, du coup, avec ce pull. J'aime beaucoup, mais du coup je préfère encore les baskets avec les lacets marrons. Donc j'avais la flemme, mais je vais quand même m'y atteler juste après. Donc voilà, maintenant let's go pour ranger tout ça. Je vous ai fait un TikTok par rapport à ma ceinture Céline, où je vous faisais vraiment un peu une revue. Et je vous avoue que j'adore ce genre de... Je vous reprends comme ça, je vous avoue que j'adore ce type de contenu en ce moment, mais pas que en ce moment, de manière vraiment générale. Tous les contenus un peu luxe, revues de produits de luxe, etc. Que ce soit des sacs, etc. J'adore regarder ça. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire aussi. On verra si ça plaît à ma communauté TikTok. Mais moi j'ai adoré le faire en tout cas. Donc je le ferai bien pour d'autres pièces après. On verra. Bon, je vous reprends. On est avec ma soeur. On a été faire 2-3 petits. On a été juste acheter du pain en fait et des petites viennoiseries pour faire un petit goûter. On avait envie et on a été faire des photos. Je suis contente, je pensais plus que ce serait possible aujourd'hui. Et finalement on a su faire 2-3 petites photos. J'espère que ça va bien donner niveau luminosité. Et vous me voyez en lunettes. Je sors jamais en lunettes normalement, mais comme je pensais pas sortir, j'avais pas mis les lentilles. Et voilà. Donc là on rentre, petit goûter. Et peut-être qu'on va faire tes ongles ou je sais pas. Ou non, on verra. J'ai reçu des produits pour les ongles qu'il faut que je vous montre. Et je vais le faire sur ma soeur, donc on verra ça. Bon, je vous retrouve, on est toujours la même journée. Je suis avec ma sœur. Prête à me faire chouchouter. Et on va faire ses ongles. En gros, j'ai reçu tout le set de manucure de la part de manucuriste pour se faire les ongles en semi-permanent, si je dis pas de bêtises. Je découvre un petit peu Green Flash, donc avec la lampe et tout, donc c'est quand même du semi-permanent, il me semble. Moi, comme vous savez, je fais du gel, donc je ne saurais pas le faire sur moi. Mais du coup, c'est ma sœur qui va faire le Kobe et elle fait jamais ses ongles, donc ça va être trop cool. Je vais... Bah, c'est vrai, tu fais jamais tes ongles. Mais non. Mais tu fais jamais tes ongles. Bah oui, mais je fais jamais parce que... En semi-permanent, je veux dire. Ça sert à rien, puisque... Non, mais il n'y a pas de problème, t'es artiste, ouais. Mais tu veux dire, tu fais pas tes ongles en institut. Non. Donc voilà, on a reçu plusieurs couleurs qui ont l'air vraiment hyper jolies. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, c'est parti. Et on a fini. Montre un peu, franchement, résultat. Je trouve que c'est au top, hein. Ouais, montre un petit peu.
Non, franchement, et je suis pas pro, hein. Canon, franchement. Et la couleur est trop belle, c'est un chocolat comme ça. Voilà. Je vous reprends. Nouveau jour avec Jocelyne. On est à Knock, puisqu'elle est venue me voir à Knock. J'ai vraiment une drôle de tête, là. Je sais pas. Je pensais qu'il allait faire chaud aujourd'hui. En vrai, il fait très très froid. J'ai même pas mis d'écharpe et j'ai super froid. Donc voilà, il fait hyper beau, ciel bleu, mais froid. Donc on n'est pas encore vraiment au printemps. On va aller manger un petit lunch. Et voilà. Monte ton sac. Regardez nos sacs. J'adore. Sur la plage. Mais il y a un vent de fou aujourd'hui, vraiment ça c'est... Il y a vraiment un vent de folie, je sais même pas si on entend quand je parle. Mais c'est vraiment très très froid quoi, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Il fait pas chaud. Nouvelle journée de vlog. On est samedi. Cette fois-ci je suis avec ma maman. Bonjour. On va se balader un petit peu. On a fait les courses en speed pour avoir un peu de temps pour se balader. Ça va, tu trouves? Oui, je trouve. Regardez à mon énorme sacoche que j'utilisais que pour voyager. Ben elle, c'est le minimum pour la vie de tous les jours, quoi. C'est ce qu'il lui faut au minimum. Hein? Et voilà. Donc on va se balader. Moi, j'aimerais bien me prendre une petite crêpe ou un truc du genre. Et on va voir, voilà. Bon, c'est la fin de la journée, je vais clôturer ce vlog. On est rentré, c'était trop trop bien, ça fait une bonne petite balade. On a mangé une petite crêpe, bon j'ai pas eu ma crêpe fraise, c'est pas encore la saison, mais ce sera pour plus tard. Et on a fait du shopping, ma maman s'est trouvé une trop belle tenue pour ce printemps, je voulais filmer, c'est trop beau, je suis trop trop fan. Donc voilà, c'était bien bien sympa. Je vais m'empresser de monter ce vlog. Je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu, ça me fait toujours un énorme plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez vous abonner si c'est toujours pas fait et que vous voulez continuer à suivre les vlogs. Et bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur mes autres réseaux Insta et TikTok si vous voulez me suivre plus au quotidien pendant la semaine. Et sinon, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye !